Alors, hello tout le monde. Moi, c'est Hillary Clinton, la femme de Barack Obama, n'est-ce pas? Et celle qui, je pense, va gagner les élections présidentielles aux US. Enfin, selon les médias, parce que voilà quoi. Alors, j'ai commencé ma vie en étant délégué de classe. Bon bah oui, il faut bien commencer par quelque chose un jour. Puis ensuite, j'étais très très républicain, ça veut dire le parti avec Donald Trump. Ok bon, les républicains sont de la merde. Mais j'étais contre la guerre du Vietnam, causée par les républicains. Ok bon, les républicains sont vraiment de la merde. Puis ensuite est venu le moment où j'ai rencontré Bill Clinton. Et donc voilà, vous l'aurez compris, je ne suis pas avec Barack Obama. Et avec Bill Clinton, on a eu une fille, elle s'appelle Chelsea Clinton. Chelsea Football Club. Lol. Et en 93, Bill Clinton devient roi. Non, président des États-Unis, voilà. Et pendant la présidence, l'investiture de... Bon, pendant que Bill Clinton dirigeait les États-Unis, voilà, comme ça c'est clair, c'est bien net, eh bien j'ai gardé mon silence dans des affaires comme le scandale de Whitewater. En gros, le couple Clinton a investi beaucoup d'argent sur la rivière de Whitewater. Et à la fin, on a tout perdu. Et la mort de Vince Foster aussi. Mais par contre, je luttais beaucoup pour les droits des femmes et des enfants. Alors du coup, ça compense quoi, à peu près. Bon, après, je suis devenue sénatrice de l'État de New York, bah voilà. Puis en 2008, c'était les élections présidentielles, enfin oui. Et là, tout le monde votait pour moi. Absolument tout le monde. Et Barack Obama aussi. Mais quelques mois avant l'élection, disons que j'ai fait une erreur. J'ai en gros parlé indirectement d'un assassinat d'un sénateur de l'Illinois. Alors du coup, je me suis retiré de cette présidentielle. En 2009, j'avais promis de ne plus me présenter aux élections présidentielles. Mais en 2015... Bah voilà, vous aurez compris quoi, sinon cette vidéo n'aurait jamais existé. Alors selon les prévisions météo, on aura une tempête de neige. Non, c'est pas ça. Alors, selon les prévisions, on me donnait largement gagnante en 2016. Sauf que ma popularité a baissé. Jusqu'aux conférences, aux interviews, enfin le truc là du débat à la noix là avec Clinton et Donald Trump. Putain, vous me faites chier là. Oula, j'ai remonté en première place quoi. Mais au jour où j'écris ce truc, ça veut dire ce texte de Draw His Life, Trump accuse Clinton d'avoir eu accès aux questions du débat avant le débat. Mais une autre source nous dit que le FBI a enquêté et qu'il n'y avait rien de anormal. Donc en gros, c'est à suivre. Et il n'y a pas de suite. Bon oui, les élections ne sont pas encore passées, qu'est-ce que vous voulez ?